Les campagnes SMS sont très utiles pour faire parvenir des informations à nos clients. C'est rapide et majoritairement plus efficace qu'une newsletter car on lit souvent plus nos SMS que nos emails. Mais avant de se lancer, je vous donne 5 points clés à suivre si vous voulez réussir vos campagnes SMS. Donc la toute première étape, c'est l'obtention du consentement des destinataires. Pour envoyer des SMS marketing à vos clients, il est essentiel de disposer de leur consentement. Pour obtenir ce consentement, vous pouvez inclure une mention comme « J'accepte que mon numéro de téléphone soit utilisé pour recevoir des offres de la société Y par SMS, sur un formulaire ou alors lors de la création d'un compte sur votre site. » Selon la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, cette mention doit être cochée par le client pour être valide. En obtenant le consentement des clients concernant l'utilisation de leur numéro de téléphone, vous vous assurez de respecter la réglementation en matière de protection de la vie privée et de la communication commerciale. Ensuite, définissez le type de campagne. Pour tirer le maximum de bénéfices de l'envoi de SMS marketing, il est conseillé de planifier à l'avance vos prochaines campagnes en tenant compte des événements saisonniers comme Noël, les soldes d'hiver, Pâques, etc. Mais également des temps forts comme une semaine de promotion exceptionnelle, des portes ouvertes ou que sais-je. Vous pouvez par exemple envoyer une campagne SMS en complément de vos campagnes email prévues. Autre idée pour l'utilisation des SMS, ce qu'on appelle les SMS transactionnels, pour par exemple une confirmation de commande, un suivi de livraison, etc. afin de transmettre rapidement des informations importantes à vos clients. Un autre point, segmentez la liste de vos contacts. Une fois que vous avez obtenu le consentement de vos clients et vérifié votre base de contacts, il peut être utile de segmenter votre liste de contacts pour envoyer des SMS spécifiques à différents groupes. Par exemple, vous pouvez proposer des codes promotionnels pour vos meilleurs clients ou à l'inverse, pour vos clients inactifs afin de les faire revenir. Quand toutes ces premières étapes ont été effectuées, choisissez l'outil idéal pour envoyer vos campagnes SMS. Le choix de l'outil est essentiel car c'est avec lui que vous allez gérer toutes vos campagnes SMS à l'avenir. Dans la majorité des cas, les outils spécialisés vous accompagnent dans la création de vos campagnes SMS en vous aidant à importer vos contacts, créer votre modèle de SMS, personnaliser le nom de l'expéditeur, ajouter des liens traqués, programmer l'heure d'envoi, etc. Et le dernier point essentiel quand on souhaite faire des campagnes SMS, c'est l'analyse des résultats après campagne. N'oubliez pas de vérifier les statistiques après l'envoi de vos campagnes SMS, telles que le taux d'ouverture, le taux de clic si vous avez inclus des liens dans le SMS, le taux de rebond, etc. Cela vous permettra de nettoyer votre liste de contacts en cas de SMS non délivré et d'optimiser votre prochaine campagne SMS en ajustant le contenu du texte et le type d'offre proposée. Voici donc les 5 étapes à respecter pour être conforme à la loi et pour informer ses clients de la meilleure des manières. En tout cas, vous pouvez m'écrire dans l'espace commentaire pour échanger ou pour me poser vos questions. En attendant, eh bien moi je vous dis à très bientôt sur mon site.